Ça fait un bout de temps qu'on voit pas Luc. C'est bizarre. Ça fait tout vide sans lui. C'est sympa pour nous. Si demain, il n'y en a que pour Luc ici. Et alors, nous, on compte plus. Mais si. Mais c'est pas pareil. C'est différent. Ouais. Vous fatiguez pas. On sait que vous avez un petit faible pour Luc. Pas une faible, un fort. Mais ça dit toujours pas où il est. Ah, moi, je le connais. À mon avis, il doit y avoir une fille là-dessous. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Bah, ça, en général, quand il est en retard, puis avec le nombre de filles qui passent au Gigastore... Tu fais drôlement bien de m'y faire penser. Justement, je dois y aller pour prendre des places pour le concert de Prince. Tu voudrais venir avec moi? Désolé, pas ce soir. J'ai un exposé à rendre pour demain. Oh. Mais si tu veux, on peut aller avec toi. On rêve d'aller à ce concert. Non, finalement, je crois que je vais rester ici, puis je vais attendre Annette. Ouais. Je vais me commander un hamburger avec double portion de fromage, double portion d'oignon et ensuite double portion de viande. Tu sais, mon petit François, je crois qu'on appelle ça un double cheeseburger. Eh oui. Enfin bon, moi j'y vais, je veux pas voir ça. Bonne idée. Moi aussi j'ai faim. Ça te dérange pas si on mange avec toi? Non. Non, ça ne me gêne pas. T'es sûr que tu veux pas rester, Jérôme? Désolé, le devoir m'appelle. Allez, salut. Salut, Luc. Salut. Oh, excuse-moi, attends, je vais t'aider. Merci. C'est la première fois que je te vois ici. C'est la première fois que je viens. Et t'étudies l'entomologie, c'est ça? Oui. Ça a l'air super, ça. Ça consiste en quoi? L'étude des insectes. Ah ouais, je vois, ouais. Passionnant. Tu allais partir, peut-être? Non, j'allais m'asseoir. Super coïncidence, moi aussi. Mais je croyais qu'il était pressé, moi. Tais-toi. Il a peut-être rencontré l'amour. Ah, c'est super. Je trouve ça très joli comme prénom, Caroline. Merci. Mais je pense pas que je sois le premier à te le dire, non? Non, mais ça fait toujours plaisir. Salut. Ah, je vois que vous me connaissez déjà. Attends, tu veux dire que tu connais aussi Caroline? Bah évidemment, on sort ensemble. Ah, vous sortez ensemble. Tu as l'air d'avoir du mal à le croire. Oui, enfin non, mais je savais pas que t'avais une copine. Ah bah c'est normal, j'ai pas eu le temps de t'en parler, ça fait seulement une semaine. Et vous vous êtes rencontrés comment? Eh ben ça c'est le destin, je suis rentré dedans au cinéma. Oui, avec sa moto. Avec sa moto? Oui, tu sais... Ah ouais, je vois, ouais, ta moto. J'adore les garçons à moto. Je crois que c'est à cause d'elle que j'ai craqué, d'ailleurs. Ah, merci. Le garçon est avec, idiot. Excusez-moi, il faut que je téléphone. Dis-moi, tu pourrais me prévenir quand tu vas draguer les filles avec ma moto? Eh ben, c'est-à-dire que je l'ai rencontré quand tu m'as prêté justement ta moto. Oui, mais ça, je m'en serais aperçu. Tu aurais pu m'en parler. Ah non, mais j'allais le faire, mais j'attendais d'être sûr que ce soit vraiment sérieux, tu vois. Mmh. Et là, t'es sûr que c'est vraiment sérieux? Ah oui, ouais. Qu'est-ce que tu t'en dis, toi? Elle est géniale. Géniale? Non, tu plaisantes, elle est formidable. Elle est intelligente et elle est belle et surtout, elle a de l'humour. Mmh. Mais lui en faut pour sortir avec un mec comme toi. Mais non, je rigole. J'arrive. Merci, chérie. Mais où est-ce que tu as trouvé tous ces livres? À la bibliothèque de l'université. Université? Mais qu'est-ce que tu allais faire à l'université? Rendre visite à Hélène. Oh, bah, tu aurais pu me le dire, je t'aurais accompagnée. Oh, bah, j'aurais bien voulu, mais t'étais pas là. Enfin, elle m'a dit de t'embrasser. C'est gentil. Comment elle va? Ah, très bien. Et c'est elle qui t'a donné tous ces livres? Ah, non, c'est pas elle. Alors, tu peux me dire pourquoi tu les as ramenés à la maison? Bon, bah... Marie, ouvre bien grand tes oreilles, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bon, eh bien, dans ce cas, je préfère m'asseoir. Alors, voilà. J'ai décidé de me réinscrire à l'université. Quoi? Mais tu es complètement fou. Oh, c'est agréable. Moi qui pensais que tu trouverais ça merveilleux et que tu m'encouragerais... Excuse-moi, mais ça me surprend un peu. Et comment t'es venue cette idée? Oh, bah, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle trotte dans ma tête, oui. Et puis, j'allais voir Hélène, eh bien, j'en ai profité pour m'inscrire. Tu ne m'en avais jamais parlé. Ah bah, je voulais te faire la surprise. C'est réussi. Non, mais tu sais, depuis que j'écris Amour toujours, j'ai décidé de me pencher sur les autres grands auteurs de la littérature française. Les autres grands auteurs. Alors toi, tu m'épateras toujours. Oh bah, j'espère bien. Mais dis-moi, mais comment tu vas faire pour suivre tes cours et écrire tes épisodes en même temps? Oh bah t'inquiète pas, je me suis inscrit au cours du soir.
ça. Je trouve ça très courageux. Non, n'exagère pas. Ouais, tu sais, il va falloir que tu travailles. Ah bah oui, oui, mais tu sais, dans la vie, sans travail, on n'obtient rien. Hein. Non, et puis, j'ai besoin de trouver de l'inspiration, un nouveau souffle pour mes personnages, tu vois. Bon, et si on allait dîner dehors pour fêter dignement ta réinscription à l'université? Ah bah oui, oui. Oui, ça sera avec plaisir, mais j'ai des devoirs à faire pour ce soir. Bon, bah, je te laisse dire tranquillement. Merci, chérie. Je ne voudrais pas te perturber dans ton travail. Bon, ben, ne bouge pas, j'y vais. Jérôme. Bonsoir, Madame Girard. Déby est là? Non, elle n'est pas encore là, mais vous pouvez l'attendre ici. Ah, merci. Pourquoi vous parlez comme ça? C'est mon mari, il est en train d'étudier. D'étudier? Oui, il vient de se réinscrire à l'université. Ah, je savais pas qu'il prenait encore des gens de l'âge de Monsieur Girard. Si, vous voyez bien. Bon, bah écoutez, vous pouvez l'attendre ici, mais surtout ne faites pas de bruit. Pas de problème. Ah! Bah, qu'est-ce que vous faites là, Jérôme? J'attends des billes. Et vous êtes tout seul? Luc et François ne sont pas avec vous? Eh bien, François est chez lui et Luc est avec sa nouvelle petite amie. Ah, Luc a une nouvelle petite copine? Si vous saviez comment elle est belle, elle est intelligente, elle a de l'humour. Et elle a de ses yeux. Ah ouais? Et c'est la petite amie de qui déjà? De Luc. Ah, ouais. Ah, au fait, j'ai eu Justine au téléphone. Elle va très bien. Ah, Jérôme, t'es déjà là? Bah, oui, je suis venu te prévenir parce que pour ce soir, je vais pas pouvoir aller au cinéma. J'ai trop de travail. Ah. Mais tu me comprends? Oui, bien sûr, je te comprends. Ah, oh, j'avais peur que tu sois pas là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Un big problème, oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, j'ai deux places pour le concert de Prince ce soir. C'est ça ton problème? Bah oui, parce que je ne peux pas y aller, je suis bloqué à la maison. Comment ça se fait? J'ai une vieille tante qui vient et maman veut que je sois là. Et alors? Eh ben alors, je veux savoir si je pouvais compter sur toi. Bah, moi je veux bien, mais je pense que ta mère va me reconnaître, non? Mais non, c'est pas pour ça, c'est... je voulais simplement que tu y ailles avec Caroline, c'est tout. Bah, pourquoi veux-tu que j'aille à ce concert avec Caroline? Bah parce que moi je ne peux pas y aller, parce qu'elle adore Prince, et puis je ne vois vraiment pas à qui d'autre j'aurais pu le demander. Demande à Annette. Oh écoute, arrête, sois sympa. C'est pas le bout du monde, non. En plus, ça nous rendrait service à Caroline et à moi. Tu peux quand même me rendre un service, non? Bah, moi je veux bien, mais je suis pas vraiment sûr qu'elle ait envie d'y aller avec moi. Ah si, justement. Je lui ai demandé et elle m'a dit qu'elle était d'accord. C'est vrai? Oui, enfin, évidemment, elle aurait préféré y aller avec moi. Je la comprends d'ailleurs, mais elle m'a dit oui. Je sais pas. Ce soir, tu dis? Écoute, allez. Sois sympa, fais-le pour moi. T'as un copain, non? Bon, allez. C'est bien parce que c'est toi. Bon, je te remercie, je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, ça va. Par contre, sois gentil avec elle, hein, je te fais confiance. T'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains. Non, mais justement, c'est quand même ma copine, alors pas de bêtises. Oh, bah, tu me connais, je ferais jamais ça à un copain. Bon, pendant que j'y suis, tu me dois 200 balles pour les places de concert. Bon, je plaisante. T'en as encore pour longtemps, chérie? Il est tard. Il me reste 600 pages. Oh, c'est dommage. On aurait pu, je sais pas, moi, regarder la télé tous les deux. Roger, mais tu m'entends? Oui, oui. Bon, écoute, ne se dérange surtout pas, j'y vais. Jérôme, mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Bonsoir, Madame Girard. Excusez-moi, est-ce que je pourrais voir Déby, s'il vous plaît? Oui, attendez, je vais voir s'il ne dort pas. Bonsoir, Monsieur Girard. Oh, tiens, on vous voit de plus en plus souvent, petit Jérôme. Oui, c'est parce que j'ai un conseil à demander à Déby. Ah, à propos de la petite copine de Luc? Comment vous avez deviné? Dans les livres, on apprend plein de choses. Bah,
Jérôme, t'as vu l'heure qu'il est? Oui, je sais, mais voilà, écoute, j'ai un sérieux problème et je voulais t'en parler. Bien sûr. Oui, mais enfin... Ah oui. Roger? Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Bien, Jérôme a quelque chose de très important à dire à Déby. Ah. Ah oui, j'ai compris. Je gêne. Nous gênons. Hein? Bon, ben, vous en faites pas pour moi. Je vais les bouquiner dans mon bureau. Il me reste encore 599 pages à lire. Bon courage, monsieur Gérard. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais l'aider. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est à propos de Caroline. Caroline? Bah oui, tu sais, la copine de Luc. Ah oui. Et donc, bah, tu sais, je te l'avais dit, je l'ai accompagnée au concert de Prince. Ah oui, Annette n'arrête pas de me rabattre les oreilles avec ce concert. Et bah, quand je l'ai ramenée chez elle, il s'est passé un truc. Quel genre de truc? Bah, on s'est embrassés, quoi. Embrassés? Enfin, tu veux dire sur la bouche? Bah, ah oui, évidemment, sur la bouche. Mais Caroline, c'est pas la copine de Luc? Bah si. T'imagines un peu, je suis sorti avec la copine de mon meilleur copain. Alors forcément, comme je suis très embêté, bah je voulais avoir un conseil, quoi. Mais tu l'aimes? Ben, le pire, c'est que je crois que oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jérôme? Vas-y, continue, c'est très bien, tu peux sortir avec elle. Ben, et Luc? Justement, il faut que tu réfléchisses, Jérôme. Des filles, tu en auras plein. Il y en a peut-être qui sont tout près de toi et qui t'aiment, mais tu ne le sais pas. Mais des vrais amis, c'est rare. Je sais, ouais. Alors, comporte-toi en ami. Oui, mais enfin, c'est pas facile. Moi, Caroline, elle me plaît bien. Jérôme. Ouais. Non, rien. Caroline, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois qu'il faut qu'on parle à propos d'hier soir. Entre. Ça tombe bien que tu sois venue. Je voulais t'en parler aussi. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à propos d'hier soir. Vas-y, continue. Non, vas-y, toi. Bien, voilà, je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. Moi non plus. On s'est embrassés un peu par hasard. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage que tu me dises ça. J'allais te dire exactement la même chose. Bon, ben c'est génial, on est d'accord. Oui, c'était juste à cause du concert. Oui, puis bon, en plus, il y a eu la pluie, tu t'es abrité sous ma veste. C'est peut-être pour ça que ma mère me dit toujours de prendre un parapluie. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Non. On ne voudrait surtout pas faire de mal à Luc. C'est quelqu'un de si gentil. Ouais, c'est un super copain. Moi, je ferais n'importe quoi pour lui. Tu l'aimes bien? Je l'adore. Bon, eh bien, je suis contente qu'on ait pu discuter. Je me sens beaucoup mieux. Bon. Alors, c'est arrivé par hasard, ça n'a aucune importance, on est d'accord? Oui, et on reste quand même copains. Bien sûr. On peut peut-être se serrer la main? Oui. Je pense qu'on devrait pas recommencer. Je sais. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah pour commencer, défense absolue de se serrer la main. Bonne idée. Je ne vois qu'une seule solution. Je vais tout raconter à Luc. Y compris qu'on est sortis ensemble? Non, ça non. Je vais lui dire que je n'ai pas envie de m'engager avec qui que ce soit, qu'il n'y est pour rien, qu'il n'est pas mon type, et qu'il n'y a pas de chimie entre nous. Ouais. Tu peux pas lui dire ça autrement. Bah tu sais, si je peux éviter de lui faire de la peine... T'as raison. Et tant que t'es pas libre, on arrête de se voir, ok? Tout à fait. On arrête. À partir de demain? Bonjour, Jérôme. Salut. Alors, ça y est, c'est réglé, tu as parlé à Caroline?
Eh ben, c'est-à-dire que... Quoi, mais tu m'avais dit que tu l'appellerais ce week-end et que tu lui dirais qu'il fallait plus vous revoir. Bah oui, mais elle m'a devancé et elle est venue chez moi. Ah, et j'espère que tu lui as dit que tout était fini entre vous. Bah, en fait... elle m'a dit qu'elle voulait plus de Luc. Salut. Salut. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, qu'est-ce que t'as? Bon, Debbie, t'avais pas des courses à faire, là? Des courses? Ah oui, des courses. Bon, bah, salut, Luc. Plus tard, Jérôme, tu m'appelles chez moi, je bouge pas. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je viens de me faire plaquer par Caroline. Non. Si. Tu viens t'asseoir? Elle t'a dit pourquoi? Oui, un truc du genre, je suis pas assez bon en physique chimie. Ouais, ça les filles, faut pas trop chercher à comprendre. Oh, tu vas pas te miner pour une fille, non? Oh non, 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 sûrement pas, non. Et tu veux que je te dise la vérité? J'avais envie de la laisser tomber, de toute façon. C'est vrai? Oui, il faut être franc. Je peux pas être avec une seule fille à la fois, voilà. Il y a trop de poissons dans l'océan, il y a trop d'étoiles dans le ciel, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Et t'as une tonne de filles amoureuses de toi, donc... Ah oui, qui? Bah je sais pas, prends au hasard Isa, les jumelles... Déjà trois, non? Ouais, non mais elle compte pas, tu vois. Non, et puis... En fait, Caroline, je m'en fiche. T'as raison. Alors, je suis vraiment content d'avoir retrouvé ma liberté. C'est fini, il faut passer à autre chose. Mmh. Tu le penses vraiment? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, tu vois pas que je suis amoureux et que je suis malheureux? Non. Bah si, c'est une chose qui arrive. Excuse-moi. Bah, tu vas où? J'ai une course à faire, urgente. Salut, Luc, salut! Salut. Ben, Luc, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller? Oh, si, ça va, oui. Non, c'est plutôt Jérôme qui n'a pas l'air d'aller. Bracelet, tu te déranges pas au moins? Penses-tu? Aïe! Je me suis encore cognée. J'espère que j'aurai pas de marque. Ça se voit pas, Roger. C'était quoi la question? Tu te déranges pas au moins? Ah non! Mais dis donc, ça a l'air passionnant ce que tu lis. Ah oui, très intéressant. Mmh. Et tes cours, ça se passe comment? Ah, très bien. Ah, la prof est très sympa. Hein. La prof? Ah bon, parce que c'est une femme? Eh ben oui. Ouais, je te l'avais pas dit. Ah ben non, je m'en serais souvenue. Tu sais, c'est le genre de détail qui m'échappe jamais. Ah ben, pourtant, j'étais persuadée de l'avoir dit. Et physiquement, elle est comment? Oh, elle est très belle. Hein. Oh. Enfin, elle devait être très belle parce que maintenant, elle a quand même au moins... Oh là, 65 ans. Mais tu vois, c'est idiot. Je deviens jalouse. Bon, bah écoute, je vais te laisser travailler. Hein. Je vais me coucher. Bonne nuit. Attends, Marie. J'ai avec toi. Eh ben, dites-moi, ça a l'air de vous mettre en forme, la lecture, monsieur Girard. Oui. Bon, ben, bonne nuit, madame Girard. Bonne nuit, monsieur Girard. Bonsoir, Anna. Bon, bah, tu viens, Marie, on va se la faire, cette partie de Scrabble. Une partie de Scrabble? Je ferais bien une partie de Scrabble, moi. Bah, toi, Susan, on peut jouer avec vous? Alors, toi, tu es pressée, hein? Bon, écoute, Caroline, c'est sérieux. Mais c'est pas un reproche, hein. Au contraire, je trouve ça formidable. Il faut s'amuser dans la vie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Caroline... On peut mettre de la musique? Ouais, mais là, non, je suis vraiment pas d'humeur. Quelque chose ne va pas, Jérôme? Non. C'est moi? Mais non, c'est pas toi, c'est moi. Tu es malade?
Mais non. Bon, écoute, je vais te le dire carrément, même si ça te fait de la peine. Je t'aime pas. Comment ? Oui, bon bah voilà, je t'ai menti, j'ai été dégoûtant. Je me suis amusé avec toi, c'est tout. Et c'est maintenant que tu me le dis ? Écoute, j'aurais très bien pu ne rien dire du tout. Hein. C'est vrai. Bon bah voilà, je suis amoureux d'une autre fille. Excuse-moi. Non, ça va. J'ai compris. Bon. Bah salut, Jérôme. Salut. Ciao. Dis donc, tu sais qu'ils ont des vélos absolument géniaux, hein. D'ailleurs, j'ai même manqué de m'en acheter un. Bon, écoute, François, si t'arrêtes pas de parler, comment veux-tu que je me concentre ? Bah, excuse-moi, je me tais. Salut. Salut, Luc. Dis donc, ça a l'air d'aller mieux, toi ? Ouais. Je vous offre un pot ? Avec joie. Dis donc, on dirait même que c'est la super forme. Ouais, ça, tout ça, c'est la vie, ça va, ça vient. Salut. Enfin, bien. Tu vas bien ? Tu as de la visite, on dirait. Ah oui, tu Bonjour. Vois. Bonjour, ça va ? Merci. Tu viens, on y va ? Le film va bientôt commencer. Oui, bien sûr. Bon, les copains, vous m'excuserez, mais... Salut. Tu vois, cette fille, moi aussi, elle m'aurait bien plu.